اليوم قاعدين نشوفوا اللي الشركات التونسيه قاعده تقاسي من الكفاءات هذه اللي قاعده تخرج دونك لو ديبا كون انونسي aujourd'hui c'est pour essayer de dire كيفاش نجمو نبنيو كيفاش on peut positiver malgré tout malgré ce départ comment on peut construire ensemble quelque chose de positif avec les ressources هذوما اللي قاعدين يخرجوا من تونس واش كان شفتوا في الفساله ما فما برشا عباد تقول لك c'est une catastrophe ou tunis بها عليها وكذا كذا bon تونس عندها مشاكلها كي البلدان الكل les compétences sont en train de bouger كيما في البلدان الكل donc ce qui a été dit tout à l'heure la baignoire qui fuit معناتها les départs هذوما موجودين un petit peu partout dans le monde l'idée c'est مش باش تشد العباد بالسيف مي الفكره هي باش تخدم باش تكون اكثر عباد واكثر معناتها دي كومبيتونس اللي باش يقعدوا في البلاد باش يخرجوا اللي خارج واللي راجع واللي كذا دونك وتقعد البلاد معناتها تنجم تقدم دونك هذا سيتي ليدي دو ديبا دوجوردي اي كي كونتينيو ريكونكيرير لي كومبيتونس اوسي الوغ ريكونكيرير لي كومبيتونس شو تقصد معناتها دون كيل سونس لي ريكونكيرير اتيري سو كي سون ديجا بارتي بيان سور ان فيت في العباد اللي خرجت فما حاجتين فما اللي خرج وماهوش باش يرجع باسكو عمل حياته خادي عمل عائلته عمل كذا دونك ماهوش ناوي يرجع اللي هذاك تنجم تبني معاه واللي فما اللي خرجوا وينجموا يرجعوا بور ديفيرونت ريزون يرجعوا لبلادهم يرجعوا لعائلتهم يرجعوا كذا اما لازم نحضروا لهم التيران هنا باش ينجموا يرجعوا معناتها يفو كون اي ان انفيرونمون considéré comme étant stable, il faut qu'on ait des rémunérations correctes qui puissent les attirer aussi, il faut qu'on ait une politique à long terme qui se tienne pour pouvoir maintenir l'arbitre de Tunis. Donc, et je pense que c'est quelque chose de tout à fait réalisable, même si on a des difficultés liées au faire. Donc il faut continuer à se battre dans ce sens. Voilà. Jusqu'au début du mois de novembre, il y a un stock de 24 400 compétences tunisiennes à l'étranger, d'après l'Agence tunisienne de coopération technique. Et parmi les 24 400, il y a presque 9 000 ou 8 900 qui sont dans le domaine de l'enseignement et plus que 4 000 dans le domaine de la santé et équivalent, 3 000 et quelques, dans le domaine de l'ingénierie, c'est dans l'éthique et les sciences d'information. Oui, les solutions qui sont proposées lors de ce débat, je pense qu'il y a deux phénomènes. C'est-à-dire que le phénomène, on ne peut pas l'arrêter. Il y a un phénomène lié. C'est un phénomène mondial qui est connu par tous les pays. Et je pense que, d'après ce qui a été fait par la TUGE, il y a toujours, même sans l'enquête qui a été faite, montre bien que il y a beaucoup de compétences tunisiennes, surtout jeunes, aspirent à rentrer et surtout, ce qui est très important, ils aspirent à investir. Et ça, je pense que c'est une niche qu'il faut cibler. Bien évidemment, il faut créer l'écosystème qui permet de capitaliser sur ces expériences. Et je pense que surtout ceux qui ont une expérience de plus de 10 ans, même plus de 20 ans, qui sont environ 3000 à part les enseignants, 3300, et ces compétences, on peut, dans chaque secteur, dans le mécanique, dans le textile, dans l'électricité, dans les banques, dans les affaires, et je pense qu'il y a moyen de capitaliser sur ces compétences, et bien évidemment, il ne faut pas que les entreprises restent enfermées dans le marché tunisien, c'est un marché ouvert, et je pense qu'il y a une opportunité, surtout dans le continent africain, où il y a une opportunité d'exporter ou d'exploiter ou de valoriser ces compétences et de les et bien sûr, il faut les rémunérer correctement pour qu'ils puissent travailler, créer de la valeur, s'épanouir dans leur pays.